Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing WRC en compagnie de Romain. Bonsoir. Donc, on va faire l'introduction de ce débriefing WRC parce qu'en fait, c'est limite la dernière manche WRC vu qu'on a déjà notre résultat de fin de saison qui tombe en septembre. Oui, Vu que monsieur Sébastien Ogier est triple champion. Oui, mais de toute façon, il reste tant de manches que ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, il reste l'Espagne, l'Angleterre, et la France. Ouais. Il reste 3. Ouais, donc oui, bon, c'est pas si tard que ça, hein. Mais bon. Non, mais pour le Enfin, si tôt WRC, que ça. quand même. Oui, bah oui, mais bon, maintenant, de toute façon, faut s'y faire, hein. Depuis 2003, de toute façon, on a les titres assez rapidement, hein. C'est rapidement, effectivement. Donc, Oh putain. oui, bah, de toute façon, quoi débriefer sur ce troisième titre, regarder les autres débriefs et donner des Oui, faits. voilà. Et Donc, regardez les prochains aussi. mais Parce que bon. non, de toute façon, ça a été Une domination OG. une saison très facile pour OG, hein. Même s'il m'énerve avec ses ouais, il faut que j'ouvre, machin, nanana. Tu peux le dire une fois, deux fois, trois fois, après c'est bon, ouais, quatre fois, cinq fois, six fois, chaque interview, tu le ressors, c'est lourd, mais bon. Après, c'est son caractère, faut le comprendre. Après, je sais bien qu'on serait à sa place, on serait pas non plus très à l'aise. Mais bon, en tout cas, ça l'a pas empêché de gagner ce rallye et de faire gagner Gagner le Volkswagen titre. aussi, constructeur. Et Constructeur, je suis pas sûr, hein. si, il me semble. Je vais voir. Bon, en tout cas, donc ouais, victoire d'Ogier, deuxième place de Latvala qui avait pris la tête à un moment dans le rallye, sachant que c'était Mick qui avait pris la tête du classement. Après, c'était Hyundai qui était devant. Hyundai aurait été un peu devant. Hein. Donc Ogier qui s'impose devant Latvala à 12 secondes. Mick suit derrière à 20 secondes de Latvala. À 6 secondes de Mick, on retrouve Mikkelsen qui fait un bon rallye encore quatrième. Cinquième, on trouve Paddon, le régional de l'étape. Non, il est néo-zélandais, je vais me faire taper. Enfin, le mec du coin. Qui donc est à 16 secondes de Mikkelsen. Sixième, Ott Tanak, à 42 secondes de Eden Paddon. Septième place pour Thierry Neuville, donc sur la deuxième Hyundai. Deuxième Hyundai, une. Bah quoi, j'essaie de dire ce que je peux. Donc Mais il c'est la termine. deuxième Hyundai, mais c'est la deuxième ou la première? Bah c'est la. Attends. Oui, non, Elle c'est est la. neuf ou d'occasion? C'est la 7. Ah, ça, tout est d'occasion hein, chez Hyundai, de toute façon. Donc, ouais, à 30 secondes de Tanak. Ensuite, à 6 secondes de Neuville, on trouve Sordo, qui lui, donc, roulait pour Hyundai Motorsport Ends Weekend. Ensuite, on retrouve Evans 9e, qui nous fait un rallye, comme d'habitude, faible. Je suis désolé, mais je trouve ça faiblard. Toujours. C'est D'ailleurs, t'as toujours. commencé par dire une connerie, vu que les trois premières spéciales ont été scratchées, si je puis dire, par Sordo. Ah bon? Oui. Non, je crois que c'était Mick qui était en tête, non? À un moment? Bah, Sordo, spécial 1, 2, 3, scratch, Mick se scratch dans la 4. Tiens! Ensuite, ouais, bon, ça va. Ensuite, le WRC2, alors il n'y a pas grand monde, hein, de toute façon, ils sont 22 à l'arrivée, ils n'étaient pas énormément non plus au départ, ils étaient 4 abandons, donc vous comptez, ça fait 26. Donc c'est pas terrible, terrible. Bon. Qu'on retrouve Nasser Al-Attiyah, 10e sur la Fiesta RRC, il avait repris la Fiesta, il termine donc 10e et gagne une nouvelle fois le RC2. Devant Protasov El Khoury sur les mêmes matériels, qui étaient d'ailleurs les seuls à être présents pour le RC2, sauf Scott Peder et Yazid Al-Rajhi. Scott Peder termine dernier et Yazid Al-Rajhi abandonne dans la 11e spéciale sur Tonneau. Ensuite, dans les autres pilotes à retenir, entre guillemets, on avait qui était présent? On avait, bah, Mats Hjortzberg était absent après avoir tapé un camion en reconnaissance avec sa Lancer de Recco. Il Du coup, ce s'est. qui nous a privé d'avoir Stéphane Lefebvre au Béthunois. Oui, mais ce qui a permis à Stéphane Lefebvre d'être présent Dans la numéro 4. en Australie avec la voiture numéro 4. Il était bien parti, je crois qu'il était 8e à un moment. Malheureusement, il s'est retrouvé après un abandon, enfin un abandon, une casse suspension, non? Oui.
Il s'est retrouvé en rallye 2, du coup il est reparti, il termine 13e, finalement il a pu remonter assez vite, en vrai, avec bah, le classement, bon voilà quoi, avec 22 pilotes à remonter, c'est un grand prix de F1 quoi. Ouais, c'est un sprint. Donc voilà, surtout que bon, c'est un grand prix de F1, mais avec beaucoup de manœuvres derrière, parce que des Fiesta R2, ouais. Enfin, une Fiesta R2. Bon, évidemment, donc on l'a pas eu, Ray Dubétunois, alors qu'il aurait dû être là, apparemment. On a eu son père, hein. Ouais, on a eu son père. Comme tous les ans, d'ailleurs. Qui on va retenir? L'ancienne membre du Junior WRC, Molly Taylor, qui termine 16e. Enfin, pas du Junior WRC, du Citroën Racing Trophy, Molly Taylor. Sur la Renault Clio, qui termine 16e. C'est à peu près tout de ce qu'on a à retenir, hein, globalement. De toute façon, le reste n'était pas là. Il n'y avait pas grand monde qui était là, forcément. On va se rattraper en Corse, parce qu'il va y avoir pas mal de monde. En plus, avec le national qui vient se mettre aussi de la partie. Autre chose à rajouter? Enfin, oui, les classements. Non, parce que dalle. Pilote et constructeur. Ouais. Juste, il reste 3 rallyes. Ogier a 101 points d'avance. Donc c'est... Oui, bah, il est titré de toute façon. Donc, Ouais, non, mais Ogier 235, là, de Voleuse 134. Oui. Mikkelsen 111. Oui. Hotzberg 90. Oui. Hein, magnifique. Bon, Neuville 86, Mick 68, Evans 63, Tanak 62, Sordo 56, égalité avec Padon également 56, Prokop 33, et c'est le dernier à avoir des points censés, j'ai envie de dire. D'ailleurs, Evans et Tanak sont à la bataille, non? Enfin, c'est quoi? Il y en a qui sont séparés que d'un point, je crois. Ouais, c'est Evans et Tanak. Ouais, les deux mêmes, je pense. Bon, ça déterminera le poste de pilote numéro 1 pour l'année prochaine. Si l'un des deux reste. Si l'un des deux reste, je pense. Ouais, je pense qu'ils vont rester, mais ça va être leur dernière AD ensemble, si ça continue comme ça. Ouais, je pense aussi. Ensuite, ouais, donc Prokop le dernier à avoir des points censés pour sa catégorie. Et qu'après on a Khaled, enfin Khalid Al-Kassimi, ouais. Avec 9 points. Oui. Suivi de Aninan avec 8 points, égalité avec Protasov. Aninan. Aninan, ouais. Juho Aninan. Ouais, Juho Aninan. Ouais. L'homme qui parle le finnois. Ouais, comme tous les Finlandais présents sur cette liste. Ouais. À part Marcus Poltala. Enfin, à part Markus Poltala. Mais il n'est pas présent sur cette liste. Je vois pas ce qu'il vient foutre là, mais c'est pas grave. Bah, il parle pas le finnois. Si, il parle très bien le finnois, mais pourquoi on parle de ça déjà? J'en sais rien. Ensuite, on a Nasser Sucré à la TIA, qui a 7 points. Cette blague est nulle. Ouais, mais cette blague est facile. C'est donc son deuxième prénom, c'est Salé. Nasser Salé à la TIA, donc du coup, lui, il s'amuse. Nasser Sucré à la TIA. Parce que c'est drôle, Sucré, Salé. Voilà, si vous n'avez pas compris, ce débrief est tourné dans le cadre le plus à la rachasse possible à minuit 49 du soir. Oui, alors que le lendemain, on est censé avoir cours, vu qu'on est encore dans le système scolaire français. On n'est pas près de son nom, de s'en aller, t'inquiète pas. Bon. Donc, Alatia qui a 7 points, juste devant Sébastien Loeb à 6 points, égalité Kubica et Alquari. SKP Kaliapi avec, 19e avec 4 points, égalité avec Andrucci et Dominguez. Mais ça veut pas dire grand chose, parce que c'est pas les mecs du verset 2 qui sont comptés là-dedans. Enfin, c'est les mecs du verset 2, mais pas tous, en fait. Ouais, mais après, c'est juste des guignols comme ça, hein, qui ont des points. Parce que quand tu vois le 22e, égalité, Saba, Fuchs, Kopecky, Tidemand avec 2 points. Oui. Mais ça, faut voir les classements du RC2 pour comparer leurs points. Et enfin, 26e, Ketoma, Lefebvre, Bertelli avec un seul point. Bertelli. Est-ce que Graham Coffey a un point? Non. Sniff. D'ailleurs, Bertelli, il a marqué son premier point ici. Donc il a fait, il était 10e à un moment. Ah bon? Ouais, il a pointé en 10e position du classement à un moment. Et du coup, ça lui donne un point. J'en sais rien, c'est point d'honneur. Dans sa gueule, mais c'est point d'honneur. Je comprends vraiment pas comment ça marche, mais c'est pas grave. De toute façon, on dit, je suis pas sûr de ça, mais bon. Bon, ensuite, au niveau des constructeurs. Volkswagen tranquillement installé à la première place avec 343 points. Suivi de Hyundai avec 177 points.
Puis le Citroën DS Total Abu Dhabi WRT 164 points. M Sport WRT 148 points. Volkswagen 2 64 points. Hyundai N 45. Jeep Hawker 43. Et FWRT qui est censé avoir normalement un point du coup, mais là qu'il y en a 9, je peux comprendre. T'as pris le classement de WRC? Non, j'ai pris le classement l'équipe. Oui, c'est n'importe quoi. Ouais, ça sent le classement de tout ce qui est classement, c'est n'importe quoi. C'est l'équipe, il est fait par Franck Lagorce, le classement, donc c'est n'importe quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Franck Lagorce qui s'étonne de tout et de rien. Attends, je vais perdre une connerie, mais c'est lui là qui nous explique la technique de l'élastique et puis que c'est génial en rallycross. Et puis que le Et puis que le champion de la dernière s'appelle Peter. ouais non et puis que le qu'il y a une durite qui a cassé, c'est pour ça qu'il y a plus de qu'on voit plus le sur pare-brise. Voilà, c'est magnifique. Et Et également que. que Mathias Ekström est débile. Et que, ouais, Mathias Ekström est débile parce qu'il prend pas son joker au bon moment. Oui, Et hein, parce que évidemment. que on a. Bon, là, c'est Vincent mais qui dit ça, mais on a aussi Christopher Sen. Non, c'est Christopher Sen qui dit. Non, il dit non, il dit Sen alors que c'est Son, mais sur tout le Ouais. monde. Et Enzon, Team Ouais, ah, Enzon. Enzone. Enzone. Ah, n'importe. Peugeot Enzone. Friendzone. Ouais, Bon. putain, ouais. Je connaissais Heinz Harald Frenzen, mais là. Non, Putain, mais ça c'est. c'est pas pour maintenant, ça c'est pour Singapour. Tu gardes ça pour Singapour. Ouais, on va garder ça pour Singapour, j'aurai 2-3 dossiers. Oui. Il commence à se faire tard, le debriefing commence à se faire un peu de plus en plus débile. De toute façon, c'est parce qu'on dit n'importe quoi, parce que de toute façon, on essaye de rallonger un petit peu, Ouais, parce on essaie de rallonger que le temps d'audience, histoire de se faire du blé. on a déjà fait une séquence un peu à l'arrache tout à l'heure. On a essayé de l'enregistrer, on a commencé, ça partait mal parce qu'il a rien compris, mais Et surtout, si tu veux le mettre en bonus, essaye de le mettre moins à l'arrachasse que dans le dernier. Parce que dans le dernier, t'as tout de suite enchaîné, alors, enfin, je sais pas, fais plutôt un écran noir et explique, enfin, explique, mets un truc genre bonus, parce que sinon, là, t'as l'impression que le truc, il recommence et tu sais pas Oui, pourquoi. bon, oui, d'accord. Enfin, essaye de t'arranger pour faire ça un minimum, peut-être pas pro, parce qu'on n'est pas des pros et on est cons. Oui. Bon, enfin bref, donc sur ce, la semaine À prochaine, jamais. Singapour? Ouais, c'est la semaine prochaine, Singapour. T'es sûr? Enchaîné avec le Tour de Corse en WRC et le rallye de Chypre en ERC, je crois. Donc voilà, merci. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut! Au revoir. C'est un clic? Oui. Le problème, c'est que tu fais jamais pareil, putain. Des mois, ils font clic, et des mois, ils font boum. Bon, on va s'en sortir ou pas? Aïe. Ah, oui. T'es sûr? Vas-y, ouais. Attends, fais un test clic. T'arrives vraiment à le refaire pareil? Magnifique. Encore une fois? Magnifique.